Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. J'ai mis des lunettes de soleil parce que j'ai passé une très courte nuit. Donc si vous désirez pas voir mes cernes, ah bah on met des lunettes de soleil, ça camoufle, tu vois, ça camoufle les choses. On va commencer ce vlog par une petite question qu'on m'a posée cette nuit sur YouTube. Donc du coup je me suis dit que si je continuais à faire des vlogs, les questions auxquelles j'avais eu en pleine nuit ou un truc comme ça, bah je pourrais répondre doucement le matin en me réveillant. Alors c'est Hero le vrai, donc il a fait ça sur la dernière vidéo qui a été les Fortress Coil. Je vois que vous les aviez attendus, mais je vois qu'elle n'a pas si marché que ça. C'est pas très grave. Salut Théo, une question qui me tracasse, on veut parler de réactivité sur de l'électro, car je veux arrêter le mecha, je suis pas à l'aise, donc une bonne dot mode 75, c'est pas mal. Merci de ta réponse. Hero le vrai. Si tu te sens pas safe avec le mecha, c'est pas un souci. T'as le droit de pas sentir safe, mais permets-moi, c'est de vaper un coup. Je te remercie. Après, tout dépend. Tout dépend de ce que tu veux dire par « je me sens pas en sécurité ». Ça, est-ce que c'est parce que la QI chauffe? Après, ça dépend aussi de ce que tu possèdes comme matériel. Si t'as une box ou un truc comme ça. Par rapport à Dot Mode, j'ai rien du tout contre eux, mais je vois pas l'utilité une Dot Mode 75. D'accord? Je préfère mieux que tu mettes le prix sur une Dot Mode 200 watts, au moins comme ça t'es sûr d'avoir de une très bonne plage de puissance. Tu resteras en double AQ, ça c'est pas trop grave. Si t'as été sur Mecha, t'aurais pu être en simple ou en double AQ. Et au moins t'es sûr d'avoir de la puissance. Parce que si tu check bien la vidéo du Fortress Coil, tu vois que je balance quand même beaucoup de puissance. Et les 75 watts, tu vas très vite user ton AQ pour rien en fait. Donc c'est pour ça, limite, prends plutôt une 200 watts. Même une box tierce en 200 watts, c'est vrai que les autres modes ont de la gueule, et ça sera quali. J'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, je finis mon café. J'ai le nez qui coule. Mais putain, il fait 40 degrés d'heure et j'ai le nez qui coule, quoi. Ouais, de soude de ma gueule. Alors, autre chose par rapport à la dernière vidéo. Je ne comprends pas les gens qui arrivent à visualiser des vidéos qui sont sorties en 5 minutes, sachant que la vidéo dure 14 minutes, et qu'ils aient déjà eu le temps de mettre un dislike. Bah je pense que vous visualisez plus vite les vidéos que moi je ne les visualise en fait. Mais c'est pas grave. En fait, le fait de toujours disliker, bah vous perdez quand même 5 minutes de votre vie. Le soir vous vous couchez en vous disant « Oh cool, j'ai disliké ». Et en fait, vous êtes content. Bah, je vous comprendrai jamais. Je vous comprendrai jamais, en fait. Mais ça fait bizarre, en fait, de se dire, putain, la vidéo, elle dure 15 minutes, ça fait 2 minutes qu'elle est sortie, il y a déjà un dislike. Bon, y a des gens comme ça. Et je peux pas dire que c'est pas... c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes personnes... C'est toujours les mêmes personnes. Pour une bonne raison, c'est que cette personne doit être assez idiote, en utilisant le bon terme, pour utiliser du coup plusieurs comptes. Donc du coup, sur chaque vidéo, j'ai toujours le même compte de dislike. Et à chaque fois, si c'est 1, bah sur les autres prochaines, j'en aurai 1, 1, 1, 1, 1. Ça se peut qu'une heure après, j'ai 3, 3, 3, 3, 3, et après 4, 4, 4, 4, 4, 4. Genre là, je suis arrivé à 4, 4, 4, 4, 4, 4. Voilà. Bon, après, faut s'amuser dans la vie, comme on dit. Hein. Bon, concrètement, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est déposer un colis. Voilà, c'est quelque chose de fameux qui va être très beau à observer, mais je dois déposer un colis. Mais en déposant le colis, on va venir parler de différents matos et de différents jus. Oui, ça va sentir le copier-coller de mon ami Culture Vap, je le sais bien, mais on va essayer de le faire d'une façon totalement différente, avec un peu plus de peps, de musique et de blablatage. Pierre, je t'aime. Non, plus sérieux, c'est pour les personnes qui vont penser que c'est du copyright ou autre, ce n'est pas du copyright. Voilà, c'est juste que j'en avais déjà fait 4 avant, ça n'avait plus, donc on essaye de refaire à peu près tout ça. On va parler principalement de pods, d'un nouvel ato que j'ai reçu de chez Krius, de chez OBS, de mon petit Nyug, le Lemon Seto, et d'un 20 mg. En fait, c'est le Lemon Seto qui est en 20 mg, mais voilà. Je suis déjà en train de t'en dire trop, mais voilà. On y va? Allez, moi je suis chaud.
En fait, Nuke, je t'avais déjà dit qu'ils m'avaient envoyé, c'était ceux qui m'avaient envoyé le Liberico, tu vois. Et ça fait pas mal de temps que je t'avoue avoir le Lemon Cito. C'est un citron, tout simplement, bien frais, que moi je trouve quand même bien frais, qui était disponible en 3 de nicotine, et je l'avais kiffé. Mais vous savez que j'avais eu un petit souci pour les vidéos, donc du coup j'ai reçu des pods, parce que je me suis mis aux pods, à un moment je me suis mis aux pods, et là, ils m'ont fait zizir parce que, j'ouvre la plaquette, j'ouvre encore une fois la plaquette, hop, regardez-moi ça. Ah, vous voyez pas. Voilà, là vous voyez mieux. Il y a du 0, il y a du 3, il y a du 6, il y a du 11, il y a du 16, et il y a du 19,99. Mais tu veux savoir ce que c'est du 19,99? C'est ça. Ah, merde, mon papa. Attends. Ah! Ouais, mais Théo, c'est quoi, t'es développé du 19,99 parce que dans l'atomiseur ça va faire mal à la gorge, et puis si on va passer à son dripper ça va pas être bon parce que ça va faire mal à la gorge. Nope, merde. On va passer à son dripper, on va passer à son râteau classique, sur un mélo ou autre, on va passer à sur un pod. Voilà, mais c'est pour ça on viendra en parler juste après. Un pod, c'est tout con, c'est cette petite chose, tu vois. Voilà, c'est, ça ressemble à ça, il y a différentes tronches et différentes esthétiques. Mais on va parler de ça après. Allez, on et y tu va. Tu croyais que j'avais une voiture à la Logan Paul? Oh, attends, j'essaie de te cadrer quelque part. Je peux te claquer où? Le truc, c'est qu'en fait, vous prenez beaucoup de place. Tu vois. Hop, voilà. Tu penses que je vais t'emmener dans la même voiture que Logan Paul fait quand il va en vlog? Je te rassure, j'ai pas de Lamborghini, j'ai pas 30 Range Rover. J'ai une voiture, 5 places. Et encore 5 places, faut vraiment te serrer à l'arrière. Limite, je dirais déjà pour le conducteur, pour moi, c'est déjà assez très compliqué d'avoir une place. Donc voilà, si vous êtes serré, faites de la place, c'est tout. Oui, mais j'ai pas ton Snapchat et puis j'ai pas envie d'aller voir en description. Bah tiens. Bon allez, oula. Bon, je vous l'ai dit, on va faire la culture hop. Ça veut dire on va se trouver un petit coin et puis on va se poser. Du coup là, pour ceux qui connaissent la Courrière, je suis là où il y a le lac. Voilà, pour ceux qui connaissent bien, c'est très long, c'est infiniment long même. Et on peut se balader tranquillement. Bon bref, on va parler du premier truc, c'est l'OBS. Je l'ai reçu il y a à peu près une semaine et il y avait pas mal de choses à voir avec celui-ci, que ce soit au niveau du plateau. Le plateau, premièrement, est totalement débile. Ça serait se contredire. Débile, ça serait pas débile, réellement. Ça serait juste que les coils, en fait, ils sont par le bas. Donc il faut couper les pads par le haut. De toute façon, je vous mettrai une photo du plan du plateau tranquillou, pilou. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a une personne qui est en train de me prendre en photo derrière. Après, rendu saveur, il est très bien. Comparé au Crius 2. Alors, je vais le comparer au Crius 2. Ça, c'est sûr et certain. Le Crius 2, la simplicité de montage est de level extrême. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous avez une simplicité phénoménale de le monter. C'est très bien, ça, tu vois. Lui, il est aussi très bien. Par contre, l'airflow sera par le haut. Et il faut que je vous avoue que le drip tip sur le Crius 2 se péter la gueule. Tu tirais une latte, clac, ton trip tip il se retirait. Pas avantageux du tout ça, non. Celui-ci il a été revu, c'est-à-dire que on reste toujours sur un drip tip 810, mais il est un peu mieux foutu en fait, tu vois. La cuve, toujours même système, remplissage par le haut, ça change pas. Et ça marche nickel, hein. Y a pas à dire. Alors, j'avais dit qu'on allait parler de chez Nuke. Alors, en même temps, je découvre, je suis jamais allé ici. Du liquide de chez Nuke. Nuke a fait le Lemon Cito, qui était bien connu de tout le monde. Vous avez pu le tester à la Vape Expo. Et là, ils l'ont sorti en 19,99. L'utilité. L'utilité, c'est pour le vaper sur les pods. Les pods, ça va vous permettre... Alors, oh, un lapin.
Il y en a pas qui vient de passer. Putain, il m'a fait peur en plus. Est-ce que petit Pimpin, tu vas... Non ? Bon, il y a un papin qui vient de passer. Les pods, je vous laisse aller voir la vraie définition des pods sur internet. Ça va être assez compliqué à expliquer comme ça vite fait. Mais pour ceux qui savent, c'est pas du sel de nicotine. C'est vraiment du liquide. Simple. Pas prise de tête, tu vois. En 19,99, vous vapez ça 2-3 fois, ça vous cale pendant 3 heures. À peu près. Pour ceux qui l'ont vu sur Snapchat, lundi, mardi, j'ai passé mes BTS blancs. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en BTS. Et ça me permettait justement de tirer, non en évaluation, mais avant. Tu vois, l'histoire d'être calé et de pas pouvoir vaper pendant 4 à 5 heures. Voilà, c'est l'effet. Le Lemon Cito, vous tombez sur un liquide citron. Maman, on se frappe le cul, littéralement. Et il est très bon. Voilà, tout ce que je peux dire par rapport à tout ça. Alors, donc du coup, le liquid Nug, le Lemon Cito, c'est ça, c'est utilisé, moi je l'utilise pour le pot, en majorité. Après, j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, j'ai un blanc parce que c'est vrai que c'est assez calme en fait, tout le paysage est très calme, c'est ça qui est agréable, tu vois, c'est que t'es pas chez toi. Tu fais pas tes vidéos de la même façon. Et c'est calme. En fait, tu dis juste ce qui te passe par la tête et ce que tu avais en priorité à faire. Et en fait, je vois à peu près ce que Monsieur Culture Vape fait pendant ses vlogs. Et c'est assez cool. Sauf que moi, bon, voilà, j'ai pas mon chien. Mon chien est en train de dormir, mais je n'ai pas mon chien baladé. Voilà, c'était cette petite chose que j'avais à dire. Faut avouer que, en fait, je l'aime bien. Et je l'aime bien, c'est juste que la façon de faire le montage en lui-même, je n'apprécie pas. J'apprécie pas parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand t'es débutant dans ça, c'est très compliqué de faire un montage tranquille ou pilou dessus. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal prise de gueule, tu vois. Je te le cache pas que même moi j'ai galéré à faire le montage. Après, rendu saveur, il est très correct. Ça, y a pas à dire. J'ai mis les nouveaux refils, les Kipik. Très bon liquide en passant, qui passe crème. J'ai mis le Yogi qui passe crème aussi et j'apprécie toujours. J'en profite pour dire ma vie entre guillemets. Aujourd'hui c'est le mois sans tabac. Voilà, donc ça débute aujourd'hui. Donc on partage à fond le mois sans tabac. Et puis voilà. Je dirais pas que je conseille ce nouveau petit atout. Je dirais pas ça. Je dirais que c'est bien pour dépanner. Le drip tip reste un drip tip classique, où c'est de la résine, ils ne sont pas cassés la tête pour en changer un autre. Ils l'ont juste un peu bombé. Rendu saveur comme le Crius, il n'y a pas à dire, et c'est nickel. J'ai refait un backup au niveau des jus de chez IVG. IVG a sorti encore des nouveaux liquides que j'ai reçus, que j'ai testés, et j'approuve toujours. Les liquides, je les trouve vachement sucrés. Comparé à avant, je les trouve beaucoup plus sucrés. Le Bubble Millions, qui est un chewing-gum, il est beaucoup plus sucré que celui que j'avais reçu avant la Vape Expo. Est-ce qu'ils ont changé la recette ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais est-ce que du coup, vous, qui l'avez testé, ou qui l'avez tout simplement chez vous, vous trouvez que la recette a été changée? Pareil pour le Bluebird, je trouve que le Bluebird est un peu plus frais qu'avant. Voilà, c'est des petites choses comme ça, de partiel en partiel, qui font tout ça. Bon allez, on se retrouve à la maison. J'en profite tant que je suis là pour répondre à quelques questions au niveau du montage, des photos, etc. Les photos sont faites via mon téléphone, qui reste tout simplement un iPhone. La référence complète, c'est l'iPhone 7. La caméra, c'est une caméra Sony. J'enregistre en 4K, puis je compile sur Final Cut Pro, donc qui est utilisé sur Mac, pour faire le rendu de la vidéo. Les mini timelapses que vous voyez sont refaits par Lightroom, et sont retouchés légèrement au niveau des photos, histoire d'éclaircir un peu tout ça en fait.